On est censé passer en live. Et ça m'a l'air tout bon. Ok, bonjour YouTube. Désolé pour euh, ce petit retard. Problème de micro, on connaît. Hein, euh, ça ne fonctionne pas euh, quand on veut démarrer. Ok, donc euh, on est parti pour ce second live de correction d'exercice. J'ai demandé à la communauté euh, s'il fallait en refaire un et ça a été très bien accueilli. Hein. On a eu euh, bah, une, majorité, une très grosse majorité, euh, si ce n'est pas une entièreté de oui sur le, le sondage. Donc là, on va refaire des petits exercices. J'ai conservé du coup tous les énoncés que vous m'aviez envoyés pour le live précédent. Euh, je vais les réutiliser tout simplement. Et on a une liste que je vais devoir réouvrir car j'ai redémarré mon PC en rapide. Voilà. Donc on a une petite liste d'exercices, ils sont plutôt sympas, sympa cool je dirais, hashtag cocovoite. Et euh, voilà, ça permet de, de faire pas mal de petites choses. On va se mettre en jambe avec euh, un petit exercice d'algorithme de, de, tout simple à base de boucle fort. On aura un petit peu des conversions Celsius-Fahrenheit de ce que j'ai compris. Il y aura également de la programmation orientée objet. Euh, ça, c'est assez intéressant parce qu'en gros, ça vous demande de modéliser euh, via l'APO du coup l'architecture de votre code avec euh, du coup, en, en se basant sur le besoin utilisateur. On vous dit bah voilà, c'est ça que j'ai, euh, c'est ça de ce dont j'ai besoin. Et c'est à vous du coup développeur de trouver la solution la plus optimale bien sûr. Et du coup, euh, un dernier qui on verra si on a le temps. Là, le but c'est pas de faire un truc trop trop long hein, de deux heures et demie comme la dernière fois. Là, le but, c'est d'essayer de, de, d'être efficace. Bonsoir à tous. Ah ben, je vois qu'il y a les habitués. Hein. Bonsoir à tous. Théo, Cédric, Chikisai, Alexandre, Mo. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. bienvenue. Euh, ok. Alors, euh, j'ai fait un petit 5 minutes dans le live précédent. La rediffusion est disponible sur YouTube. J'ai fait un petit 5 minutes, voire plus, euh, sur l'importance de lire l'énoncé. Je ne vais pas le refaire ici, je vous laisse aller voir la vidéo, euh, le live précédent, c'est On corrige des exercices de PO, euh, hashtag 1. Euh, vous avez donc du coup les chapitres qui vous permettent de voir quand est-ce que j'en parle. C'est le plus important, hein, si vous avez un examen de 2 à 3 heures, n'hésitez pas à investir 5 minutes, 5 bonnes minutes, pour lire l'entièreté de l'énoncé. Là, euh, pour simplifier, vu qu'on a déjà fait l'exercice ensemble il y, y a deux semaines, j'ai pris les exercices directement, je les ai copiés à partir des énoncés. Donc comme ça, voilà, c'est plus rapide. Euh, mais en tout cas, prenez vraiment le temps de lire l'énoncé avant de, de, vous mettre, de vous y mettre pendant l'examen. Classe objet interface. Ok Cédric, je vais, je vais checker ça. Alors je vois qu'il y a mon fond vert également qui fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas l'air dramatique. Je crois que c'est ici. Tac. Ça serait peut-être mieux. Bon, c'est pas grave. Ok, alors... À ah quand une école Oula, on va, on va déjà essayer de maintenir une chaîne YouTube correctement avant de parler d'école, hein, Théo. C'est pas en faisant une vidéo tous les, euh, tous les 8 ans que euh, le projet de l'école, euh, ça se réalise. Hein. Euh, ok, alors ce fond vert, il commence à me saouler. Comment ça marche Est-ce que ça fait le taf J'ai augmenté l'éclairage. J'ai du super matériel du euh, Elgato, Gato, euh, qui est plutôt fiable. En vrai, qui est plutôt cool. Mais avec le fond vert, j'y arrive vraiment jamais. Ok, là, on a l'air pas mal. Très bien. Alors, euh, allons-y. Euh, Cédric, sur quoi est-ce que tu m'as envoyé du coup le, le, le Je vais checker ça. C'est sûrement sur ma boîte mail. Cédric Le Grand. Hop là. Ok, on va pouvoir essayer de le check tout à l'heure. Je sais pas si on. A... Ah oui, il est long quand même. Il ah, y a ce qu'il faut là. Hein. Ouais. Avec modification d'image et tout, ok. Alors en effet, il a l'air plutôt pas mal. C'est un quelle année du coup celui-là Je vois que c'est un 2005, mais c'est par rapport à. Ok, c'est très spécifique, traitement d'image. Ok, en vrai, on pourra le voir après les petits exercices là. On pourra le voir ensemble. Euh, petit placement de produit pour Elgato. Bah bon, c'est c'était un placement de produit. Euh, en effet, c'est vrai, bon, ils font du bon matos, donc euh, je parlerai peut-être un jour. Mais euh, en vrai, j'aime bien leur matos. J'avais acheté du matos un peu de basse qualité à l'époque. Euh, pour les premières vidéos d'ailleurs, les toutes premières de la chaîne, euh, j'avais pas le... Si, j'avais déjà ce micro-là, je crois. Mais j'avais un fond vert qui était super chiant. Là, j'en ai acheté un et le gâteau, ça coûte 150 euros. Donc c'est plus cher que ce qu'on trouve sur Amazon. Mais euh, bah, derrière, c'est un confort de vie, ouf. Vous n'avez pas besoin de toujours le, le replacer, de repasser le tissu de faire attention au vent et compagnie. Là, le truc, vous le levez, vous le baissez, ça fonctionne direct, donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Ok, on n'est pas là pour raconter ma vie, on est là pour faire des superbes exercices en Java. Je vous propose de commencer avec ceux-là. Bon, ça, je pense que pour quelqu'un qui a déjà fait pas mal de PO, c'est relativement simple, donc on va passer dessus très rapidement. Là, je pense que c'est clairement un exercice pour les premières années, voilà les, les, ou peut-être en licence 3, des fois en général, on vous demande de, 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 de licence 3 informatique. On vous a fait faire beaucoup de maths et ensuite on vous demande de faire de la programmation comme ça. Euh, donc globalement, c'est de l'affichage. Euh, on veut, donc vous voyez dans l'énoncé, dans, 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 euh, dans la consigne, que vous devez utiliser une boucle fort. Donc là, vous ne pouvez pas y échapper. Hein. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les points. C'est pour ça que c'est vraiment important de lire l'énoncé. Et donc du coup, globalement, si vous vous sentez perdu ici, alors que c'est un exercice quand même simple, faut vous poser, être tranquille. On voit bien que l'affichage qui est demandé, du coup, c'est euh, toujours la même chose. Le seul facteur qui change, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qu'on vous demande d'utiliser une boucle forte. La boucle forte, ça doit faire référence, du coup, pour vous, à l'itération, avec une valeur de départ et une valeur euh, de condition, une, une, valeur, une condition suspensive avant d'arrêter la boucle, ainsi qu'une valeur de chemin pour y arriver. Euh, donc, du coup, en théorie, c'est censé être relativement accessible. Pour ce faire, bon, voilà, je ne vous fais pas l'affront. Normalement, c'est assez simple. On voit dans l'énoncé du coup qu'on euh, est censé commencer à 1 et finir à 7. Donc on a notre valeur de départ, on a notre valeur de fin. Donc on va faire un petit for int i égale à 1 du coup. On aime bien les commencer à 0 lorsqu'on parcourt des tableaux. Là on ne parcourt pas de tableau, on commence à 1. Euh, on va faire i inférieur ou égal à 7. On aurait bien pu faire strictement inférieur à 8 ça fonctionne aussi mais nous on va faire en mode voilà on est on est rigide c'est inférieur ou égal à 7 comme ça lorsque i arrivera à 7 ce sera pas inférieur mais ce sera égal donc on ira quand même dans le code de notre boucle et on va faire du i plus plus c'est l'incrémentation de 1 en 1 ce qui est en fait égal à i est égal à i plus 1 tout simplement et ça fonctionne tout pareil on va mettre i plus plus car globalement c'est la même chose on économise euh, des, euh, des caractères Là, euh, ce qu'on nous demande du coup, c'est d'écrire sur une ligne à chaque fois bah, le, euh, le, le, euh, la valeur de i du coup avec les kilomètres parcourus. Vous remarquerez qu'on n'est pas dans le détail, même lorsque c'est 1 km, on met un S. Donc là, faites très simple, on vous demande simplement d'utiliser une boucle fort. Pas besoin de vous prendre la tête, oui, mais si c'est 1, alors je ne mets pas de S, blablabla. Là, ce n'est pas demandé, donc vous ne prenez pas la tête, respectez simplement les consignes. Le but, c'est d'avoir euh, les points. Donc là, je veux System out print. Ln pour faire une nouvelle ligne, comme ça ça va faire à chaque affichage une ligne après une ligne. On aurait pu tout afficher sur la même ligne en faisant print tout court, mais du coup bah, c'est là c'est pas ce qu'on veut. Et donc on va faire i, vu que ça commence sur l'énoncé par 1, 2, 3, 4, 5, on fait i et on concatène ça avec donc c'est kilomètre à pied du coup, à pied ça use les souliers. Hop là, et normalement on devrait avoir ce qu'on veut. Tac, parfait, on a gagné. Bon, en effet, c'est pas un exercice hyper compliqué. Néanmoins, c'est un examen sur 20 points. Vous en avez 3. Euh, là, globalement, si vous êtes dans votre examen, vous le faites en moins d'une minute. Euh, 3 points, euh, une minute, c'est quand même pas mal. Alors, je vais regarder le chat, désolé. Euh, hop là. Ok. Euh, ce sont des examens de Java, effectivement. Ouais. J'ai les, de... les énoncés qui sont ici, notamment. Euh, c'est des examens de Java que j'ai trouvé ou qu'on m'a envoyé par email, exactement. Euh, donc, normalement, c'est censé être des trucs plutôt. Euh... Voilà, c'est des trucs qu'on avait vus la, la, la dernière fois. C'est des examens de. Je ne sais pas trop d'où. Celui-là, je ne sais pas. Euh, J'en ai vu d'autres qui venaient de Lille, du coup. Euh, un universitaire. Voilà. Ah bah c'est celui-là, voilà. C'est sur celui-là que j'ai trouvé cet exercice-là. Il euh, y en a plein d'autres à côté. Programme avec tableau, euh, méthode de tableau. Ça, c'est ce qu'on avait fait au premier live du coup. Euh, globalement, voilà. Je me suis basé sur ce qui existe. Hein. Je n'ai pas essayé d'inventer des exercices. Ça n'aurait pas grand intérêt hein, du coup. Ok. Alors. Printf sur la même ligne pas forcément. Euh, tu peux faire print tout court. Ok. On va passer au second qui nous demande du coup en gras, donc là encore une fois vous ne pouvez pas y échapper, au moyen de deux boucles imbriquées. Donc n'essayez pas d'utiliser autre chose, deux boucles imbriquées. Vous remarquerez par contre qu'il n'est pas précisé que ce sont des boucles forts ou des boucles wild. Donc là c'est à vous de gérer ça. Personnellement quand je vois le résultat qu'on nous demande, on nous demande d'afficher globalement huit euh, fois la même chose. Je pas m'aventurer à faire des boucles wild, je préfère faire des boucles forts. Pourquoi Parce qu'il y a un nombre défini euh, donc, qui est de 7 lignes et on a un nombre défini de valeurs qui est de 9 à 0 lignes. Euh, donc euh, globalement, hop, on va reprendre le code qu'on avait utilisé. Donc on veut écrire 7 lignes. Donc là c'est parfait, notre fort il est toujours valable euh, vu qu'on s'arrête à 7. Et ensuite, dans cette boucle fort, on veut une deuxième boucle imbriquée et on veut afficher les euh, entiers ou plutôt les chiffres de 9 à 0. Alors on va refaire une boucle fort, c'est le principe de la boucle imbriquée. Cette fois-ci, en général, quand on fait une boucle avec euh, un fort avec i, on le fait toujours avec j derrière. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Je, en vrai, je ne sais pas vraiment. C'est plus une habitude. Et donc, du coup, vu qu'on veut, qu veut aller de 9 à 0, je commence à 9. Donc là, on inverse la logique. On n'est pas sur quelque chose de croissant, on est sur quelque chose de décroissant. Donc, on part de 9. On va faire i euh, tant qu'il est supérieur ou égal à 0, vu que pour rappel dans l'énoncé, euh, on veut afficher 0, donc il faut que ce soit supérieur ou égal pour ne pas euh, évincer le 0 et ne pas l'afficher. Ensuite, je mets, j, mais, enfin, je mets i, mais c'est j, du coup. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est pas un i, du coup, ça va être un i moins moins. Alors, un j, j'ai vraiment du mal. Okay. Un j moins moins, euh, ce qui est donc égal, encore une fois, hein, de la même manière que i plus c'est i plus 1, ben là, c'est j est égal à j moins 1, tout simplement. Ça revient exactement au même. On met donc j moins moins pour faire ça plus propre. Très bien. Alors une fois qu'on est là, on sait que euh, on veut afficher ça. On a a priori nos 7 lignes qui sont là, donc de 1 à 7, on est ok. On va avoir de 9 à 0, on est ok également avec la décrémentation ici. Et donc on veut afficher ça tout simplement. Donc là effectivement, on veut afficher sur une même ligne tous les numéros. Donc là on va passer par un petit système outprintln. On va mettre un système print. On va faire simplement j. Et on va rajouter un petit espace, euh, tant qu'à faire. Alors là, on va tester. Maintenant, le but, c'est de donner toujours la bonne réponse directement lorsqu'on est en examen. On n'a pas d'ordinateur pour tester. Là, la réponse n'est toujours pas bonne. Pourquoi Parce que le print va tout afficher sur la même ligne. Il y a forcément, à un moment donné, il faut faire un retour à la ligne. Là, ce qu'on va pouvoir utiliser, du coup, c'est un petit euh, système Et on fait un caractère vide que du coup le ln c'est sur une nouvelle ligne, donc en fait ça va faire office de retour à la ligne. On aurait pu utiliser une autre méthode, hein, qui est un print avec un anti-slash n, pour indiquer qu'on retourne à la ligne. L'anti-slash n c'est ce qu'on appelle le, le, le back, euh, j'ai j'ai plus le terme exact, mais c'est en gros l'équivalent de quand vous appuyez sur la touche entrée. Il euh, y a différentes manières de le faire, on fait un petit système de ln comme ça, ça, ça devrait suffire. Voyons voir ce que ça donne. Ok, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et on l'a bien sur sept lignes différentes. Bon ok, a priori, on est bon sur cette partie-là. Je ne pense pas qu'il y ait de questions sur ces exercices-là. A priori, là, on est, euh, on est relativement OK. C'est censé être euh, quelque chose de relativement abordable. Euh, ces trois points gratuits. Vous les faites vraiment rapidement. Euh, donc euh, voilà. Je vois sur le retour caméra que à côté du chat que. Hop là. Hein. Le fond vert fait des siennes. C'est pas grave. ça a l'air d'aller, c'est pas dramatique. Ok. Je vous propose de passer au second qui va être un peu plus intéressant. Euh, c'est pas très compliqué, ça vous fait 4 points vraiment simplement pour le coup. Euh, c'est vraiment super simple. Donc 4 points sur 20, hein, je ne vous fais pas l'affront, ça fait un cinquième de votre note. Ça vous rapproche, vous avez plus que 6 points à mettre pour avoir la moyenne. Ce qui est le plus important bien sûr, hein. 20 sur 20 c'est cool, mais 10 c'est le minimum. Et donc vous avez euh, la conversion. Alors, écrivez une méthode capable de convertir la température de degrés à Celsius. Alors je ne connais pas la formule, mais il nous la donne ici, donc c'est très bien. Et inversement, cette méthode prend en paramètre. Donc là, ça devient intéressant. Cette méthode prend en paramètre une température. La parenthèse est ultra importante. Nombre à virgule. On va être du coup sur un float, je pense. Et un deuxième paramètre dont vous choisirez le type. Donc là, il nous challenge, c'est à nous de trouver la bonne réponse, qui précise si la température donnée est par le premier paramètre est en degré ou en Celsius, est en degré Celsius ou en Fahrenheit. Pardon. Cette méthode ne fait aucune lecture ni aucun affichage, elle renvoie le résultat de la conversion. Les formules de conversion sont les suivantes. Ok, donc euh, les Celsius, si je comprends bien, les formules de conversion. Donc pour avoir les Celsius, il faut faire ça avec le Fahrenheit, la valeur en Fahrenheit. Et pour avoir les Fahrenheit, il faut faire ça avec les Celsius ici, plus 32. Ok, très bien. Donc, ce qu'il faut comprendre ici. Nous avons, euh, cette méthode prend en paramètre une température, un nombre à virgule. Donc là, globalement, ça va être un float, je pense. On pourra mettre un double, mais bon, je pense qu'un float, ça va faire l'affaire. Et un deuxième paramètre, dont vous choisirez le type, qui précise si la température donnée par le premier paramètre est en degrés Celsius ou en Fahrenheit. Là, moi, à quoi ça me fait penser On aurait plusieurs manières de le faire. Donc déjà, euh, qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils veulent une seule méthode Une seule méthode, ok. Donc on va créer une petite méthode. Je retire ce code-là public statique, euh, on va dire que ça renvoie du coup un, in, un float également, je pense, ou un integer. On va falloir faire des, des divisions et compagnie, ça va me renvoyer toujours le mauvais résultat. Ok, je mets void pour le moment car euh, on, on verra ce que ça me, ça me demande. Et on va dire euh, convert. Ouais, allez convert, ça devrait faire le, le taf. Et donc, on sait qu'on a un premier paramètre qui va être la euh, température. Là, je l'écris, euh, je l'écris mal, donc float. Temp et en deuxième un truc donc je vais faire class hop euh, something le type ok qu'est-ce qu'on pourrait utiliser moi ce que je mettrais bien ici c'est une inum tout simplement public static inum hop on va l'appeler euh, température par exemple hop et on aurait euh, C, F, par exemple, quelque chose comme ça. Euh, ok, je me trompe toujours, bougez pas. Trop l'habitude d'utiliser des euh, Inum Java. J'utilise toujours des, des, des softs qui le font à ma place, du coup je ne sais même plus le faire euh, tout seul. C'est assez grave, hein, vous pouvez le dire. Euh... Hop. Mais oui, non mais je suis en ouf. C'est euh, Inum en minuscule. Je, je, suis je suis trop bête. Ok, hop, statique, enum, du coup. Ok, une inum, du coup, c'est une énumération. Ça peut un peu s'apparenter à une liste. Vous avez un ensemble d'éléments à l'intérieur, et dans une inum, vous avez ce qu'on appelle les ordinales, Ordinal en anglais, les ordinaux. Euh, je ne saurais pas dire exactement en, en, en français ce que c'est. Euh, ordinal, ordinal. Ça se dit aussi en français apparemment. Ok. En gros, c'est leur position. Donc là, ici, C, par exemple, ça va être euh, l'ordinal 0. F, ça va être l'ordinal 1, etc., 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 comme dans un tableau avec des index. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut faire Celsius, du coup. On va pouvoir mettre Fahrenheit, si je l'écris correctement. Euh, tac, Fa, H, le H vient ici. Et il y en a aussi un après, Fahrenheit. OK, parfait. Et donc, du coup, là, ce que vous pouvez mettre, vous pouvez mettre Uninum, inum. On va l'appeler température inum. C'est toujours bien de préfixer vos inums avec le mot-clé inum. Comme ça, bah, ça, ne fait pas office ça, ça ne fait pas référence à un objet, mais à une, une énumération à proprement parler. Et donc, du coup, là, on peut faire ça, température inum. Euh, et donc, du coup, c'est euh, thème type, je dirais, par exemple. Et donc, du coup, ici, on va pouvoir faire un petit euh, if thème type. Point equals température inum. Celsius, hop, et on peut faire un petit else if, hop plein avec Fahrenheit, tac. et On peut faire un else qui va throw new Exception, tac, rose declaration, par exemple. Comme ça, si jamais vous lui passez quelque chose qu'il ne connaît pas, euh, il va vous, il vous envoie, euh, il vous envoie balader. Ok. Globalement, je pense qu'on peut partir là-dessus. Je ne sais pas si l'énoncé demande quelque chose d'aussi complexe. Je ne sais pas si vous, dans votre cours, lorsque vous aurez cette question-là, il vous demandera quelque chose d'aussi complexe également. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. Quand on me parle de donner une valeur avec son type, on aurait très bien pu mettre un string ici, string type, et donc du coup faire du point equals, hop là, euh, Celsius comme ça. Euh, mais bon, c'est pas quelque chose de giga. Enfin, euh, c'est pas, c'est pas fou quoi. Je préfère clairement, euh, clairement mettre un bel inum, tout ça. Euh, faire les choses proprement, on va dire. Que de. Euh, là, mon CTRL-SHIFT-Z ne fonctionne toujours pas. Je préfère faire les choses proprement comme ça plutôt que de, les, euh, de passer par des strings euh, qui ne sont pas forcément partagés partout. Là, au moins, vous mettez sous forme d'objet, euh, donc sous forme d'énumération, vos euh, données. C'est beaucoup plus euh, robuste pour la suite. Si jamais ensuite vous voulez en ajouter, vous avez juste à la rajouter ici. Vous rajoutez votre if ici et ça fonctionne bien. Et si d'ailleurs vous devez utiliser vos températures ailleurs dans votre code, vous avez cette inum qui vous permet de fédérer un petit peu tous vos types de températures. Ça permet vraiment de consolider votre application. Maintenant, en effet, j'entends, là, je vous donne mon point de vue. Ça se trouve, pendant votre examen, vous n'avez pas besoin de tout ça. Salut Ness, bienvenue à toi. On a des gens récurrents là. Alexandre, pourquoi pas utiliser boolean pour choisir C ou F Alors voilà, bah justement. Ça peut être une solution, et pour rappel, une solution qui fonctionne, c'est mieux qu'une belle idée qui ne fonctionne pas. Donc, effectivement, le booléen, dans notre cas très précis, ça fonctionne. Mais en tant que développeur, il y a vraiment quelque chose de fondamental c'est toujours de penser à l'avenir, de penser à l'extension de votre code plutôt qu'à la modification. Là, le fait de mettre une inum, ça ouvre à l'extension. Si jamais vous en rajoutez une en plus, je, je, les, les Calvin, je crois que ça existe. Euh, je crois que oui, les Kelvin, ça existe dans certains pays, euh, ou le Kelvin, je me, je me trompe peut-être. Euh, eh bien, votre code n'est pas modifié ici, votre code n'est pas modifié ici, vous allez pouvoir directement faire un autre else if, ou un switch case, hein, si vous avez envie, ça fonctionne aussi, euh, pour du coup euh, considérer une, un autre type de température. Si on avait mis le boolean, comme tu dis Alexandre, dans le cas de l'exercice, on est très bon, ça fonctionne nickel, if true Celsius, if false à um, um, et donc du coup le problème c'est que si là tu te mets à rajouter le Calvin euh, bah là du coup tu dois modifier ton code tu vas devoir changer ici le boolean en bas un type inum ou un type string tu vas plus pouvoir te baser sur un if ou else tu vas devoir baser sur des hills else, else if et compagnie vu dans le cas d'un booléen t'as pas besoin de euh, t'as pas besoin de plus que if else vu que c'est soit oui soit non uh, donc voilà ce qu'il faut Vraiment toujours prendre en compte, c'est l'avenir. Est-ce que je fais quelque chose qui va être modifié ou est-ce que je fais quelque chose qui va être étendu On a le droit de se tromper, hein. tout le monde s'est trompé. Moi-même en entreprise, des fois, on a pris des choix. J'ai pris des choix euh, tout seul. On a pris des choix avec mon directeur technique et compagnie. Ça nous arrive de faire des erreurs, c'est normal. Hop là, à force de parler, ça donne soif. Oh là, alors ok, il y a pas mal de questions. Euh, attendez, faut que j'ouvre le chat sur YouTube. Euh, pourquoi je ne vois rien Hop là. Ok. Alors, laissez-moi voir tout ça. Salut Tef. Comment ça va euh, Question pratique. Les fichiers Java seront-ils disponibles GitHub ou autre pour que nous puissions les réutiliser sur notre IDE euh, Les fichiers Java du coup de ça, euh, potentiellement faut que je prenne le temps de les, euh, de les mettre de côté. Euh, mais potentiellement, bien sûr, comme euh, dès, que je fais, dès que je propose une solution, en général, je peux vous la proposer euh, euh, sur un GitHub ou autre. Vous avez d'ailleurs mon GitHub dans, en, dans, euh, dans la description, je crois, euh, ou peut-être sur la chaîne directement, euh, pour, pour voir tout ce que j'ai fait. Exactement, Théo. Ce genre d'exercice, c'est pas pour rien qu'il donne autant de points. Je pense que c'est aussi parce que vous avez, euh, quand on débute la programmation, c'est le genre de questions qu'on vous pose. Mais quand on est devant le papier, on... vu que vous n'avez pas le droit à l'erreur, il y a une grosse différence entre voir quelqu'un le faire en stream et le faire vous-même sur une copie, bien sûr. Ne pouvions-nous pas utiliser un println directement dans la boucle fort ah, C'est dommage que je n'ai pas vu cette question-là avant. Alors, non, on ne pouvait pas parce que le println, Cédric, ça affiche sur une nouvelle ligne. Et vu que là, on voulait afficher, bah, c'est encore dans la console, parfait, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Euh, bah, du coup, ça aurait fait 9 sur nouvelle ligne, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça n'aurait pas respecté le fait de tout mettre sur une seule et unique ligne. Donc, c'est pour ça qu'on est passé par un système euh, print au début et à la fin, un petit système outprint LN pour faire un retour à la ligne. Euh, voilà. Pour la question du booléan, du coup, Alexandre, je pense t'avoir répondu. Top. Très cool que ça serve. Le Kelvin, c'est la vraie mesure de la température en physique. On n'utilise que ça. Bah, excuse, excusez-moi les puristes. <laughs> je, apparemment, c'est vrai, entre guillemets, il n'y a, a pas autre chose. Euh, ok, bah voilà. Bah, écoute, je me suis pas trompé. Euh, et oui, du coup, euh, ouais, pour l'inum, pour euh, carrément. Bah, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'aurais fait. Je sais même pas si vous avez vu l'inum ce... quand on a un, un, un énoncé de cette manière-là. Je sais pas si on vous a encore présenté l'inum. Mais euh... voilà, c'est comme ça que j'aurais fait dans tous les cas. Ok. À noter, bien sûr, euh, du coup, ça, juste une petite précision, mot pour, euh, pour ta réflexion c'est que tu peux ajouter des valeurs En fait dans, le, dans, dans ton inum. Et du coup, ça va être par exemple string euh, name. Tac. Et en fait, tu peux t'amuser à rajouter des trucs. Alors, je ne sais plus comment... Euh... Je ne sais plus exactement comment on fait, mais en fait, on peut associer à la valeur principale de notre ordinal, on peut ajouter des valeurs euh, à notre, euh, notre inum. Et donc, du coup, bah, ça permet, par exemple, euh, Celsius, on aurait pu rajouter, par exemple... Euh, ce petit truc-là, par exemple. Le logo, à quoi ça ressemble. Euh, on aurait pu rajouter aussi, je ne sais pas, euh, euh, peut-être l'acronyme, la, la, etc. On peut en rajouter plusieurs, bien sûr. Hein, ça, ça fonctionne. Il faut juste déclarer les, euh, les variables. Vous les déclarez de cette manière, vous faites un constructeur et hop, ça fonctionne. Donc, les inum, c'est quand même très intéressant. C'est une sorte de, de liste statique qui va vous permettre de, un petit peu, mettre dans le marbre des éléments que vous voulez, euh, que vous ne voulez pas altérer, entre guillemets. Par exemple, le statut d'une commande. En cours, en cours de livraison, euh, livrer et compagnie. Tout ça, c'est un enum, c'est sûr et certain. C'est pensé comme un enum, en tout cas. Parce que toutes ces statuts-là, euh, que vous soyez sur Amazon ou sur une autre interface mobile et compagnie, il faut quelque chose qui va fédérer tout ça. Si vous mettez des strings, bah, ça se trouve, le dev il va se tromper euh, sur l'application mobile, il va mettre une autre string. Ce ne sera pas en cours de livraison, mais euh, je sais pas en cours, tout court. Euh, là, le but d'avoir une, une énumération, c'est vraiment de euh, bien mettre dans le marbre ce que vous voulez... Euh, comme comme type donc en général c'est souvent les types hein. vous allez voir il y a un exercice de PO là euh, ça fera clairement office de ça va être du typage euh, une histoire de une catégorie voilà le plat il a une catégorie entrée plat dessert pour moi clairement ça c'est une énumération par exemple Et putain, 5 points l'exercice hein, vous imaginez ça vous fait un quart de votre euh, un quart de votre note ok revenons-en alors euh, ce qu'elle doit faire cette méthode du coup, donc là on a réussi à avoir la première température, ça va être un float, la seconde ça va être son type du coup. Faut pas que je me trompe sur l'affichage car vous avez le chat qui s'affiche. Faut pas que je le demande trop. Ok là c'est bon. Et donc du coup euh, on a quoi On a quoi On a quoi On a les formules ici. Bah, globalement hein, là vous avez bien compris. On a hop là que je triche pas. Hop. On a le if ici. On a notre else ici. Quand c'est du Fahrenheit du coup. Quand on veut c'est qu'on veut le convertir en Celsius, donc on va appliquer l'équation, la, 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 le, le, l'opération de, de conversion du, vers le Celsius. Excusez-moi. Lorsque c'est du, lors, bah, excusez du Celsius, on va faire l'inverse, on va vouloir convertir en Fahrenheit. Bon globalement, comment est-ce qu'on tape ça? 5 neuvième fois la valeur de temp moins 32, globalement, bah, c'est tout simple. Euh, ça va être return. Donc là on fait un petit. Donc vers du Celsius, donc là on doit comparer en Fahrenheit, donc ça va être la formule 9 divisé par 5, tout simplement, donc c'est 9 cinquièmes, on fait fois du coup notre petit temp, et on va faire du coup plus 32. Tac, il faut savoir que du coup la machine, alors déjà je vais commencer par faire un void, euh, j'aurais pas idée du résultat, est-ce que ça va être un float du coup également Vu qu'on sait les conversions de, de, de numbers, même après euh, des années de développeurs hein, de, de, en développement, je me trompe toujours, c'est insupportable. Euh, quand des fois on fait des trucs, ça donne des numbers, et puis des fois ça va être des entiers, mais du coup il va falloir round ou floor, machin. Qu'est-ce que c'est chiant euh, Du coup, hop, votre opération, c'est comme en mathématiques, ça va prendre du coup, ici, avec les parenthèses, votre division en première. Vous allez avoir votre multiplication et ensuite votre plus 32. Vous pouvez vous sécuriser en faisant ça, du coup, directement. Hop, Vous êtes sûr et certain que comme ça, ça fait division et ensuite multiplication et ensuite, du coup, l'addition. Et dans le cas inverse, lorsqu'on veut faire du Fahrenheit vers le Celsius, ça va être du coup, donc, 5 neuvième cette fois-ci, fois la température. Donc là, attention, hop, ils indiquent que c'est moins 32. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans le chat, mais a priori je pense qu'on s'est pas trompé. Je vous mets en gros. Hop là. On a bien. Lorsqu'on est en Celsius, on veut passer en Fahrenheit, donc ça fait 9 cinquièmes fois C. Donc en mathématiques, la priorité, ça va être ce calcul-là et pas cette addition-là. Et ensuite, on fait plus 32, donc avec les parenthèses, on est bon. Et ensuite, si on est en Fahrenheit, on veut passer donc en Celsius. Et la formule, c'est 5 neuvièmes fois F. Euh, mais du coup, c'est F moins 32 avant de passer au produit. Euh, donc du coup, là, on a bien les parenthèses qui nous sauvent la vie. Ok. Pour moi, je pense qu'on est plutôt pas mal pour cet exercice. Euh, c'est euh, 4 points quand même assez gratuits. On va tester ça tout de suite. Ouais, Théo. Enfin, majoritairement, c'est du, euh, majoritairement ça va être du, euh, du sur 20. Ouais. Des fois, c'est sur 40, mais c'est toujours ramené sur 20. Donc euh, voilà. Globa mais les, les, les examens, là, je peux vous le dire, des énoncés que j'ai vus, c'est sur 20. Il euh, y a 20 points max. Donc, euh, c'est pas 4 points sur 40, par exemple. C'est vraiment 4 points sur 20. Zéro absolu. Ouais, mais le zéro absolu, du coup, on est d'accord que c'est moins, euh, moins 72 degrés, je crois. Quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Ou même moins 172. Il ne me semble pas que le zéro absolu, ce soit ce qu'on penserait. Justement, ce n'est pas du tout intuitif. C'est pas le 0 Celsius du coup, c'est le moins 160 ou, euh, ou je sais plus quelle valeur, je, je parle, je l'ai entendu une fois dans ma vie et je suis le mec qui connaît, mais <laughs> voilà. En Amérique, c'est en pourcentage. Vous avez pas aussi des notes du coup, ABC machin, ce qui correspond à des tiers de notage En gros, je, au lieu de vous mettre 16 sur 20, on vous met euh, A, quelque chose comme ça. Moins 273, bah très bien, allez nickel. <laughs> je... Je vais pas faire de sciences physiques, moi. Ça va être. Euh... J'étais pas si mal, en vrai, au baccalauréat en sciences... En... en physique, mais... Euh... Ouais, ça s'est perdu, ça s'est perdu. Alors, euh... ok, on va tester ça, du coup. On va faire un petit convert pour voir. Convert, on va vous dire qu'il est... On va vous dire quoi euh... 32, 6... Allez, hop. 36,8 degrés Fahrenheit. Euh, pardon, pas Fahrenheit, Float. Euh... Et... On va faire température m type point on va dire que c'est des Celsius du coup c'est la température du corps humain la température moyenne du corps humain normalement on est bon euh, faut que ça throw declarations ouais parce que j'ai mis un petit throw, mais bon j'ai fait du zèle ça va quand même le faire euh, donc du coup là ça nous renvoie juste attention la consigne était de juste renvoyer ça n'affiche rien donc nous on va l'afficher tac ok raté hop excusez-moi Petite erreur. Hop. Tac. Sissot. Hop. Hop. Voyons voir est-ce que ça marche. Est-ce que la température moyenne dans le corps, donc le F, attention, c'est pour indiquer que c'est un float. C'est vraiment pour matcher avec le, 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 le type float. Donc ça n'a rien à voir avec le Fahrenheit. Vous ne faites pas avoir. Et donc du coup, je précise que c'est du Celsius. S'il y en a qui sont forts, est-ce que vous savez à peu près ce que ça va être le résultat Bah attendez. On va le calculer en rapide. Euh, donc ça va être Celsius. On veut convertir en Fahrenheit. 9 divisé par 5, 1,8. Et donc du coup, on fait fois 36,8. Hop. Et on fait moins euh, plus 32. Donc entrée... Merde. Plus 32. On est censé avoir 98,24. OK. On tente. Est-ce que depuis tout à l'heure, je parle pour rien 68,8. Très bien. Donc je ne sais pas calculer. Alors attendez. Hop, je vais refaire le calcul avec la calculatrice. J'ai peut-être foiré de mon côté. 9 cinquièmes euh, fois du coup 36,8. Ça fait 66,24. Et donc, du coup, c'est plus 32. 98,24. Ok, où est-ce que je me suis planté euh, Tac, on a ça en premier. On a la fois température. Je vais re regarder l'énoncé. Je me suis pas trompé. Hein. Celsius, on veut convertir en Fahrenheit, donc c'est comme ça. On a bien le 9 cinquième qui doit être fois C. Très bien. On va simplifier. Du coup, on va retirer les parenthèses inutiles. Hop, 9 cinquième temp plus 2. Ok. Euh, je vois pas où est-ce que je me gourre. Est-ce que le, le calcul est bon ou pas Attendez, on va, on va demander à Google. Celsius. Fahrenheit. Et donc du coup ça fait 36,8. Non bah non c'est bon. C'est ok, euh, c'est la bonne réponse. C'est bien 98,24 donc euh, le, le code est bon. C'est juste que je ne sais pas utiliser une calculatrice apparemment. Bah si attendez. La calculatrice est bonne, c'est le code qui est pas bon. Uh -huh. Où est-ce que ça se passe 36 degrés. 9 cinquième on est bon plus 32 bah attendez là c'est très grave ce qui se passe 9 cinquième fois 36 plus 32 c'est très grave ce qui se passe youtube là attendez euh, je vous avoue que là euh, ok ok on passe en débug c'est parti je vais commenter tout ça hop on va faire un petit return Hop là, 0 0 f hop on fait un blanc on s'en fiche ça compte peu système out print ln hop on fait 9 divisé par 5 on va faire syso hop 2, hop fois du coup temp let's go voyons voir où est ce que ça chie et ensuite la même avec plus 32 c'est bien plus 32 Hop, je mets ça entre parenthèses. On est bon. Voyons voir ce qu'il ne va pas. Hop là. Hop, je remets le code ici tel qu'il était. C'est parti. Alors, 36.8, 68.8, 0.0. Ça c'est normal, c'est de Println ici. Ah mais oui Mais oui Bien sûr, je me fais brain par les numbers justement. Je vous en parlais juste quand on était en train d'écrire avec les conversions. Là le problème, c'est que du coup, le 9 sur 5, il n'est pas content parce que ça met 1 tout court. Euh, that's why. Ok, je l'ai. Alors, euh, oui. Comment on fait ça Du coup, ça fait 9F par 5F, je crois, pour du float. Et là, normalement, ça devrait mieux se passer. Voilà, 1,89824. 24 On y est. Ok, ça fait très attention. Vous le voyez. Alors, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Mais ça ne change rien, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience. Je m'y attendais au fait que euh, y a les floats, les numbers, les entiers naturels et compagnie, les maths.round, vous avez un... tout un truc de mathématiques. Math. Math.round, maths.floor et compagnie. Il y a tous ces trucs-là. Euh... Quand vous manipulez des entiers, donc typiquement ici 9 et 5, euh, si, vous divisez, si vous divisez ça et que ça fait du coup 1,8 en théorie, ça va vous renvoyer 1, tout simplement. Le problème, c'est qu'entre 1 et 1,8, on est d'accord que le résultat n'est pas du tout le même, vous avez pu le voir. Donc attention, pensez bien à toujours préciser, effectivement, euh, pour que Java, pour que le langage vous donne un résultat avec des virgules, vous devez lui demander de manipuler quelque chose avec des virgules, et donc ça va être euh, float avec float, et non pas entier avec entier. Ok, parfait. Bon, au moins, on a débugué, on connaît la réponse. C'est un peu dommage de s'être fait avoir là-dessus. Bah, typiquement, je n'aurais pas eu les points. Je n'aurais pas eu les points. Il y a quand même fort à parier que si vous êtes, si vous êtes dans cet examen-là, c'est que euh, vous avez votre professeur qui vous en a parlé. Donc voilà. Euh, maintenant, bon, essayez de ne pas vous faire avoir comme moi. Là, pour le coup, je n'avais pas les 4 points. Bravo à tous. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire l'inverse. On sait que le résultat, c'était 98.24. Hop, c'est un float, attention, ça n'a rien à voir avec Fahrenheit, je répète. Hop, on met Fahrenheit, donc en théorie, là, ça nous affiche 98.24, et là, ça nous affiche, du coup, 36,8. Euh, 36, euh, Hop là, parfait. 98.24, 36.8, la conversion fonctionne bien. Voilà, voilou Ok. Alors, c'est parti. Je check le chat. On a beaucoup de participation, c'est très cool, ça très très cool n'hésitez pas à partager le live à mettre un petit pouce bleu à, à, à partager tout ça euh, ou à mettre des commentaires pour euh, si vous avez des questions alors débugger master race faut savoir que alors ça peut paraître rapide ce que j'ai fait mais ça devrait être un. un... C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Si vous avez quelque chose qui, qui vous semble bizarre, absurde, que vous arrivez à démontrer que d'un côté vous avez raison, Google vous dit que vous avez raison, votre calculatrice vous dit que vous avez raison, mais que votre code n'a pas raison, c'est forcément que le code que vous avez écrit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment sauter de la tête le fait que c'est magique. La machine, elle n'est pas du tout magique, elle est binaire, il n'y a rien de moins magique euh, qu'un ordinateur. Donc du coup, là, typiquement, la réponse, elle est toute bête, c'est juste qu'on manipulait des entiers. Euh, donc. Il n'y a pas de... En, en, en informatique, si vous manipulez des entiers, il n'y a pas de réels. Il n'y a pas de... Les réels en mathématiques, donc les nombres à virgule et compagnie. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Si on me demande de diviser 3 par 2, ça ne va pas faire du coup 1,5 comme nous, humains, on se dirait. Pour une machine, 3 divisé par 2, ça fait 1. Ou ça fait 2, ça dépend de comment elle est. Euh, Est-ce qu'elle vous renvoie la plus grande valeur ou la plus petite Donc ça vaut vraiment toujours, toujours, toujours faire super gaffe. Globalement, dès qu'il y a un problème, hein, le problème il se situe entre le clavier euh, et entre le siège. Donc là, le problème c'était moi, c'était pas le... pas Java. Même si, ok, allez, ok, bon point. Euh, en JavaScript, je suis d'accord. En JavaScript, je suis d'accord. Il y a de, ce qu'on appelle la coercion de type et compagnie, euh, tout plein de trucs un peu mystérieux de JavaScript. Si vous mettez par exemple 0.1 plus 0.2 euh, est, est égal à 0.3, euh, ça vous renvoie false. Voilà, bon, j'ai vu un truc Twitter là-dessus tout à l'heure, c'est assez marrant, mais en Java, il n'y a pas tout ça, donc, euh, donc on est OK. OK, euh, pour le code, je pense que c'est simple, je ne pense pas qu'il y ait de questions, il y a peut-être OK. L'excès le, de zèle sur l'énumération in, température inum. Euh, maintenant, bon, bah, ça, me semble, ça me semble quand même pas déconnant. Vous voyez que là, le code est beaucoup plus structuré. Euh, il est beaucoup plus propre également. Vous savez à quoi vous faites référence. Euh, on ne sort pas juste une string comme ça en mode. Ça aurait fonctionné, hein, pas de débat, mais du coup, c'est Celsius. Il faut pas se tromper. Euh, si jamais vous avez plusieurs lignes de code comme ça également, hop vous avez Celsius quatre fois, sauf que si du coup vous devez le changer, vous pouvez faire un contrôle F et compagnie, c'est un peu chiant. Tandis que par contre, si vous utilisez des inum, hop, lorsque vous allez modifier votre inum, vous allez pouvoir appliquer les changements dans tout votre IDE. Comme ça, il va venir remplacer tout seul température inum Celsius à température inum point quelque chose par exemple. Donc euh, c'est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus solide, on va dire beaucoup plus robuste comme, euh, comme architecture. Ok. S'il si n'y a pas de questions, je vous propose de passer à l'exercice d'après. Lui, il va être plutôt cool parce que euh, ça va vous mettre en jeu. En vrai, euh, j'ai mon avis sur la question. On va la lire ensemble. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez et c'est à vous de me dire ce que vous auriez fait. L'exercice est plutôt simple. Alors attendez, je n'ai pas vu les questions. Ouais, Théo, tu peux mettre euh, point zéro, mais du coup, quitte euh, le point zéro, j'appelle ça un trick. C'est une manière de faire comprendre à la machine, mais vu qu'il y a le F qui est là pour vraiment lui faire comprendre, en mode c'est comme ça, c'est pas autrement, choisissez la, la sécurité, passez parce que Java vous offre comme 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 feature, euh, mettez le F, vous êtes sûr et certain de ne pas vous tromper, vous mettez 9F, vous savez que c'est un float qui considérera ça comme un 9.0. Toujours sécurité, risque reward avec la sécurité. C'est typiquement pour ça que c'est débile de faire du code sur papier. Tu peux pas pré ça. Sur papier, il faudrait faire uniquement de l'algo pour noter notre logique. Alors, oui, et là-dessus, je pense que c'est une tautologie. Personne ne te dira jamais que tu as tort, là-dessus. Maintenant, disons que l'avantage que j'en tire de faire ça sur papier, c'est que si jamais, là, euh, dans cet exercice-là, moi, je me suis planté, parce qu'on va pas se mentir, déjà en maths, je suis pas une flèche, que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et. Euh, il y a fort à parier que le professeur qui vous donne cet examen-là, il vous aura fait voir le fait qu'il faut penser aux float. Donc, dans notre point de vue là, vous viewer et moi streamer, on s'est fait prendre au dépourvu parce que moi j'ai manqué de rigueur et de connaissances sur le sujet. Mais il y a fort à parier qu'un étudiant euh, qui fait partie de la classe de, de, du prof qui, qui, euh, qui fait l'examen aura déjà entendu parler de ça. Donc normalement lui ne devrait pas se faire avoir. Donc c'est euh, normalement ça devrait aller. Le meilleur des bugs c'est print, c'est connu. Un print téton. Alors les prints euh, print un peu foireux, on connaît tous et c'est vraiment la base. Et aujourd'hui même, on a au taf, au travail, on a commencé à mettre... Euh, on commence du moins à le penser, on est en train de le mettre en place. Dans notre outil de CI CD, qui va du coup, donc CI pour continuous integration, dès que vous mettez un commit, si on détecte un système outprint LN, on rejette le commit. Ça arrive, vous en mettez pour débugger, vous avez oublié de le retirer, vous en avez cliné la, la plupart de votre code, mais vous avez oublié de le cleaner euh, en entièreté. Il y a un système Outprint println euh, bonjour qui traîne, <laughs> et on voit le dev qui pète un câble. Système Outprint println, j'y arrive pas, j'y arrive presque, on y est presque, on y arrive. Euh, et donc, du coup, on, on rejette les commits il euh, y a ça. Ok, faisons ce petit exercice, penchons-nous sur la première question. Là. Le tout, c'est l'énoncé, 5 points sur 20 quand même. Vous one-shotez ça, euh, en vrai de vrai, ça m'a l'air quand même simple. Je ne l'ai pas lu ultra en détail, mais ça m'a l'air quand même très simple. Allons-y. Écrivez une classe permettant de représenter un plat proposé par un restaurant. Ce plat a un intitulé, un prix et une catégorie parmi entrée, plat et dessert. Cette classe comporte un constructeur, comportera un constructeur et une méthode d'affichage. Ok. Comment est-ce que là, on répond à tout ça Hop là. Alors, moi déjà, mon idée de réponse, elle n'est pas bonne, je pense, parce que c'est écrivez une classe. Euh, moi, je serais plutôt basé sur deux classes minimum, ou même quatre classes avec une classe abstraite, euh, une classe entrée qui est fille, une classe plat qui est fille, une classe dessert qui est fille, je pense. Euh, tout simplement pour prévoir l'avenir, parce que euh, si vous rajoutez par exemple des ingrédients et compagnie, des types d'ingrédients, tout ça, ce serait beaucoup plus simple. Salut Forza, bienvenue sur le live. On est en train de se faire un petit exercice de POO là. Euh, faut qu'on représente dans une classe un plat proposé par un restaurant. Ça contient un intitulé, un prix et une catégorie parmi entrées plat, dessert. Cette classe comportera un constructeur et une méthode d'affichage. Alors, vu que c'est écrit, écrivez une classe. Je pense qu'il ne faut pas partir en vrille et faire comme je viens de dire avec quatre classes. Moi, j'aurais bien vu une classe abstraite avec trois classes filles. Bon, a priori, il n'y a pas besoin et ça se trouve, ça ne sert à rien. Alors. Comment est-ce qu'on va faire Eh ben, écoutez, écrivez une classe, un plat proposé par un restaurant. Je vous propose déjà de le faire en français. Donc là, hop. Euh, ouais, 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 ouais. Ça, le code là, je vais le commenter pour pas qu'il pollue. Et on pourra le garder pour plus tard si vous voulez sur un GitHub. Notamment, Cédric, tu m'avais demandé ça. Alors, allons-y. Écrivons une classe. Donc, public static class. Là, je mets statique parce qu'on est dans un contexte statique en mémoire avec le main. Donc euh, pas besoin de le faire si vous faites une architecture standard. Et d'ailleurs, je crois même qu'il n'y a même pas besoin pour le mettre là-dedans. Donc euh, je vais pouvoir le retirer. Public Static Class, on va l'appeler euh, plat, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre plus. Et donc du coup, on a un intitulé qu'on va appeler name, du coup. Ou on peut dire un intitulé. Mais bon, vu que euh, on ne met pas d'accent en programmation. C'est pour ça que l'anglais est quand même beaucoup plus simple vu qu'il n'y a pas d'accent. Euh, intitulé comme ça, ça me dérange un peu, donc je vais mettre name. On va faire un peu de franglais. Ensuite, on va avoir un, euh, un prix, donc qui va être a priori un float ou un double, ça fonctionne aussi. Moi je vais mettre un float qui s'appelle, ce qui sera donc price. Et euh, en dernier, on va avoir une catégorie, comme indiqué. Là, la catégorie, je vous le mets dans le 1000, je pense que c'est exactement pareil que ce qu'on a fait avant, ça va être une énumération. On va mettre entrée, plat principal ou dessert. Je pense que je pense que c'est pas déconnant. Alors hop, je vais la copier coller, je la décommente, ça va être euh, plat type, hop et donc du coup ça va être entrée plat euh, principale hop pourquoi pas et dessert quelque chose comme ça. Pour le naming bien sûr, je vous laisse prendre le soin de choisir ce qui vous va bien dans votre application euh, globalement. Euh, Là, j'y vais un peu à la va-vite pour le stream, hein, mais euh, « plat type », ça ne me semble pas déconnant, parce que c'est lié à la classe « plat ». Donc, on commence, avec, hop, on commence avec le nom de votre classe en question. Donc, le « plat », ça va être le type du plat, car là, globalement, ça va être le mot « type » qu'on va utiliser. Et du coup, vu que c'est le « plat type », c'est une énumération, je la suffixe avec « enum ». Voilà, tout est possible. Selon l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça peut changer. Moi, j'aime bien mettre ça comme ça. Comme ça, c'est très logique, en fait. On ne se pose pas trop de questions. Les majuscules pour les inum, ouais, c'est une convention. Euh, c'est un, un petit peu comme les... Euh, donc là, c'est des variables d'instance, car c'est des variables qui vont prendre vie lorsque... Vous serez dans. Euh, lorsque vous aurez créé votre plat. Si vous mettez une variable statique, donc une variable de classe, du coup, euh, car elle aura une case mémoire qui sera partagée par l'ensemble du code et qui ne sera en rien impactée par les, les variables d'instance, euh, et bien du coup, statique, je ne sais pas quoi, euh, nombre, euh, integer nombre, hop là. Tac. Euh, ça, en général, les statiques, les constantes, par exemple, euh, J'aime bien les, les mettre en, euh, en number d'ailleurs. J'aime bien les mettre en caps lock également. Les constantes, je crois que c'est une best practice de les mettre comme ça, euh, de, de cette manière-là. Euh, parce que euh, ça permet de différencier. En Java, c'est camel case pour le. Euh, donc camel case price unit par exemple. Donc prix unitaire, ce serait price. Donc camel case, on commence par une minuscule. Et ensuite, tous les mots qui sont attachés, c'est censé commencer par une majuscule. Donc price unit. Euh, les noms des classes, ça va être du coup comme vous le voyez ici, ou des inums. Globalement, le nom des super types, ça va être euh, du Pascal case euh, Les constantes, ça va être des capsLock. Les inums en général également, c'est du capsLock. Vous pouvez très bien le mettre en minuscule. Hein, voilà, c'est euh, comme on dit, c'est pas une clause, c'est une convention. Donc euh, c'est un peu comme euh, comme, euh, comme ça vous chante quoi. Les conventions, vous en faites ce que vous faites. Hein, si vous n'avez pas envie de vous en faites ce que vous voulez, si vous n'avez pas envie de les respecter, vous ne les respectez pas. Euh, donc euh, voilà. Ok, donc on a notre name, on a notre price, on a notre type, et donc du coup, normalement, on n'est pas trop mal. Nous avons euh, le plein intitulé, la catégorie, alors on peut l'appeler catégorie, du coup, à la place. Tac. Hop. Ça peut faire le taf également. Vu qu'on utilise le mot catégorie, on peut mettre catégorie, comme ça, c'est un peu plus euh, simple à comprendre. Si dans le langage du restaurant une catégorie c'est entrée plat dessert, on met catégorie. Si pour eux c'est plutôt un type, ils ont l'habitude d'utiliser type, vous pouvez mettre type. Comme ça pour eux c'est beaucoup plus simple à appréhender. Ok, un constructeur et une, classe, une méthode d'affichage, on est parti du coup. Donc le constructeur public plat, et là du coup, hop, euh, on va mettre string name, float price, et plat catégorie inum catégorie. Bon, globalement, vous pouvez copier-coller. Hein. Là, c'est un constructeur champ à champ. Tac. Et donc, du coup, this.name égale à name. Donc, le this fait référence à la variable d'instance lorsqu'on crée l'objet. Lorsqu'on crée l'instance d'objet à partir du modèle qui est donc la classe, la classe étant plat, notre attribut, du coup, qui est une variable d'instance ici, va être initialisé avec la valeur qu'on lui a passée en paramètre. Là, je vous ai fait un condensé de mots-clés euh, que vous retrouvez dans les vidéos. Mais ça, c'est vraiment des mots-clés hyper importants. Et donc, du coup, 10.catégorie est égal à catégorie. Let's go. Hop, ça devrait suffire. Euh, pour moi, il n'y a pas besoin de plus compliqué. Il euh, n'y a pas besoin de plus compliqué. On a trois attributs, trois variables d'instance. Pas besoin d'aller plus loin. Et en dernier, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent méthode d'affichage. Et eh bien, let's go. Méthode d'affichage, on s'en souvient. Tout le monde étant de object même si on ne le voit pas c'est implicite donc on va refaire un petit override public string to string et return euh, là du coup qu'est ce qu'on va renvoyer euh, on override la méthode toString qui renvoie un hashcode arrobase le nom de la classe et compagnie donc c'est pas très beau euh, on va dire nom du plat Hop, et on fait plus 10.name. On met une petite virgule. Prix. Hop là. Euh, plus 10.price. Et à la fin, on met euh, catégorie. Hop. Plus 10.catégorie. Point toString, vu que c'est une name. Ok, ça me semble pas trop mal. On va essayer de créer ça. Hop, plat, new, plat, new, plat. On va dire, euh, entre-côtes. Incroyable entre -côtes, quand même. Hein. On n'en parle pas assez. Euh, ça va coûter 22. Et, euh, hop là. 22 et... Allez, 22,5. Et en dernier... Ah oui, ça c'est un double. Il veulent une virgule. Je crois. Ah oui, non, mais je suis trop bête. Euh, on va lui mettre son F, du coup, comme ça, il sera content. Ok, je vais changer juste ça, effectivement, c'est peut-être plus intelligent de mettre un double. Double, c'est pour les chiffres, les nombres réels, donc les nombres à virgule, les nombres entiers, l'intégralité des réels, du coup. Euh, ça va être beaucoup plus simple à traiter comme ça. Vous mettez juste un prix, c'est beaucoup plus simple. On va dire qu'elle coûte 22,5. Et ça fait le taf. Et on va dire que c'est une entrée, du coup. Par exemple. Euh, bah c'est un plat principal. Tac. Et ensuite on fait SYSO new ToString, ToString qu'on a donc ici. Redéfini. Euh, pardon, je suis bourré. Euh, on a redéfini, on a override ici. Normalement, ça va nous afficher un truc plutôt cool. On a des erreurs. New plat. Hop là, parfait, le statique, le fameux statique dont je vous parlais, parce qu'on est dans un contexte, ça, ça mériterait une vidéo, le statique, parce qu'il est hyper dur à avaler quand on ne connaît pas. Et donc du coup, là, hop, non du plat, entre côtes, prix 22,5, on n'a pas le, la, la currency, le, la monnaie utilisée, catégorie principal, on est bon. Ok. Euh, tu avais une question... Vas-y Ness, repose-la moi, pas de soucis, let's go, j'ai pas, pas fait attention. Entre côtes en d'entrée, j'imagine pas le plat. <laughs> ouais, de ouf. de ouf. En vrai, il y a des tartares de, de bœuf euh, en, en entrée. Euh, ça ça cale quand même pas mal. Euh, ça me donne faim du coup. Alors, voyons ce qu'il dit. Donc, déjà là, je pense qu'on est bon. On a créé une classe, euh, on a créé une inum. Euh, voilà, on aurait pu mettre des strings aussi, ça fonctionnerait bien. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On a bien notre constructeur, on a bien notre méthode d'affichage. Écrivez une classe représentant un repas dans le restaurant comportant une entrée un plat un dessert. Là vous voyez bien que on écrit une nouvelle classe c'est pour un repas et ça comporte trois choses du coup une entrée un plat un dessert. Cette classe devrait avoir un constructeur qui initialise les variables, une méthode d'affichage et une méthode qui calcule le prix total du repas qui est la somme des prix des trois plats. La classe devra permettre de vérifier soit par le constructeur soit par une méthode qu'il y a bien exactement un plat de chaque catégorie dans le repas. Alors ok donc, Là, vous voyez que c'est très rigide, ça reste un examen de programmation. C'est pas un vrai restaurant, voilà, vous savez très bien que si vous allez au restaurant, vous pouvez demander deux entrées par exemple si vous n'avez pas très faim. Vous pouvez venir juste pour un dessert, ou vous pouvez venir et juste prendre une autre côte le midi, enfin, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est très rigide, donc restez dans ce mindset, l'examen est rigide, je suis moi-même rigide. On vous demande qu'une classe repas, c'est entrée, plat, dessert, c'est tout. Cette classe, elle doit avoir un constructeur qui initialise les variables, une méthode d'affichage et une méthode qui calcule le prix total. Le prix total, c'est quoi C'est la somme des prix des trois plats. Point barre. Pas d'autre chose, faut pas s'inventer une vie, faut pas penser trop bien les choses, on va rester simple et efficace. La classe devra permettre de vérifier, soit par le constructeur, soit par une méthode, qu'il y a bien exactement un plat de chaque catégorie dans le repas. Donc là, soit par le constructeur, soit par une méthode. Ça vous indique un petit peu que, en gros, il va y avoir une méthode qu'on va appeler soit dans le constructeur, soit autre part. Ou même et l'un et l'autre. Alors, quelle est la vraie différence entre double et float Au début, je croyais que le double était un peu plus long des floats, mais c'est peut-être pas ça finalement. Alors, la vraie différence, je crois que c'est effectivement la, 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 effectivement la taille dans la mémoire. En fait, un, un booléan, vu que c'est true false, c'est 0 ou 1, ça prend 1 bit de mémoire. Euh, les, euh, les doubles, si je ne dis pas de bêtises, ça prend 32 bits dans la mémoire, etc. Il euh, y a vraiment une différence. Les bytes, tout court, le, le type byte, ça euh, ça va prendre que, euh, 8, euh, va prendre que du coup, 8 bits, logique, hein, c'est un octet, donc c'est 8 bits. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça vous limite entre moins 127 et plus 127, la valeur. Un byte ne peut pas être supérieur. Et c'est pour ça que ça s'arrête à 127 lorsque vous faites de l'incrémentation dessus. Il euh, y a pas mal de... Attendez, normalement c'est Java Primitive Types euh, Size in Memory. In Heap Space on appelle ça. Est-ce qu'il n'y a pas un tableau plutôt efficace là Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus grand Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, je pense qu'on voit bien. Regardez. Boolean, 1 bit. 1 byte, c'est 8 bits. Logique, c'est 1 octet. Donc ça fait 1 octet, c'est 8 bits. Euh, le char, le short, c'est 16. Le long, le float, c'est un 32 bits. Du coup, le long, un 64. Euh, lint, le 32. Euh... Et du coup, le double, je ne l'ai pas vu passer. Double 64 bits du coup. Donc voilà, entre double et hop. ah oh, c'est chiant ces images, on peut jamais zoomer là. Ok, c'est bon, je l'ai. Hop là. Vous voyez. Euh, vous avez donc ici le double qui est en 64 bits, le float qui est en 32 bits. Donc voilà, nickel. Up to 7 decimal digits, up to 16 decimal digits. Donc c'est bien une différence de taille. Alright. C'est quoi l'utilité d'une classe statique Le fait qu'elle contienne que des méthodes statiques sans attributs. Euh, statique, c'est plus compliqué que ça. Euh, c'est Le statique, ça va être vraiment, c'est un contexte. Vous avez dans votre mémoire, la... vous avez votre mémoire vive. Je vais le faire en très rapide, hein. je ne pourrais pas répondre à ça hyper détaillé maintenant, mais... Vous avez votre mémoire vive de votre ordinateur, vous avez à l'intérieur donc votre programme Java qui est ex exécuté, et en fait votre mémoire vive qui est allouée pour le programme Java, mettons que vous en ayez 16 go et que votre programme Java ait le droit à 5 gigas de cette mémoire, c'est ce qu'on va appeler du coup la heap space. Il euh, y a la stack technique, il y a la stack de votre Java qui exécute le code et compagnie, et cette stack elle va utiliser la heap space, euh, donc c'est l'endroit où vont être créés vos objets typiquement là lorsqu'on fait lorsqu'on a notre constructeur ça va créer une sorte de pointeur qui est une variable car pour rappel elle n'est pas égale à la valeur elle est affectée à la valeur en mémoire ce qui est une très grande différence on aime bien dire égal parce que voilà c'est intuitif on voit égal c'est très bien mais non ça c'est un pointeur qui mène vers cette case mémoire là et donc lorsque vous avez new plat euh, ça va stocker donc chacun des attributs en mémoire, il euh, y a d'autres trucs encore plus complexes. Hein. Par exemple, il faut savoir qu'un string en fait c'est euh, immutable. En fait, un string vous ne pouvez pas le modifier et un string c'est partagé dans toute votre application. Euh, c'est un peu bizarre à dire, hein, mais c'est pourtant vrai. Vous avez ce qu'on appelle un string pool. En fait, c'est euh, lorsque vous créez le string entre côtes dans votre mémoire Java, dans la heap space, vous allez avoir le string entre cause qui va être créé. Et si vous le réutilisez ailleurs, et eh bien du coup, ça va être le même string en mémoire qui va être réutilisé. Tout ça, c'est un aspect, c'est une vidéo que je voudrais faire sur Java, euh, c'est un aspect sécurité. Qu'est-ce que ça permet de rendre le string, par exemple, immutable Le fait qu'on ne puisse donc pas le modifier, et donc que ça en recrée un autre. Plutôt que de modifier celui existant. Ça permet notamment d'éviter des, inje des injections SQL euh, dans, votre, dans votre base de données et compagnie. Si vous mettez un string ici, je sais que personne ne peut modifier ce truc-là. Ce qui arrivera dans place et entre côtes et pas autre chose. Pour la faire très simple. Exactement, Mo, euh, le string se trouve dans un pool. Voilà, voilà. OK. Euh, où est-ce qu'on en était du coup Donc là, on voulait faire une classe représentant un repas dans le restaurant. Donc, OK, on est parti. Donc c'est un repas il y a entrée, plat, dessert. Cette classe devra avoir un constructeur qui initialise les variables, une méthode d'affichage, une méthode qui calcule le prix total. La classe devra permettre de vérifier soit par le constructeur, soit par une méthode, qu'il y a bien également exactement un plat de chaque catégorie dans le repas. Très bien. On y va. On va créer une nouvelle classe. Et donc tout ça pour finir quand je te parlais du staticness, c'est qu'en fait le statique euh, c'est une case mémoire partagée dans la fameuse hip space. Donc ça mériterait vraiment une vidéo dessus, mais en fait, ça, c'est des variables d'instance qui, euh, qui vont être affectées dès que, du coup, on va créer l'objet. C'est le constructeur, lorsqu'on va instancier un objet de, du modèle de classe. Par contre, si vous mettez une variable statique ici, donc ça, va être pas, ça ne va pas être une variable d'instance, mais une variable de classe. Pourquoi Parce que la statique n'appartient pas, ce n'est pas un attribut d'instance, ce n'est pas ce qui va être modifié pendant... Le, euh, avec le constructeur ou pendant la durée de vie du, euh, du, euh, de l'objet, ça va appartenir à la classe directement. C'est vraiment chiant à comprendre en vrai quand on n'a pas l'habitude. Euh, et moi-même, vous voyez, j'ai du mal à l'expliquer simplement là. Il euh, faudrait que je prenne le temps de décrire une vidéo assez, assez complète là-dessus. Euh, C'est euh, quelque chose de vraiment à, à comprendre en fait en conception dans sa tête euh, par rapport au langage Java. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas que présent dans le langage Java, mais bon, là on est en Java donc euh, voilà. Et, et également, il y a un autre aspect à prendre en compte c'est que vous pouvez, et en fait ça paraît très intuitif également, mais en fait vous pouvez effectuer, effectuer des blocs, différents blocs d'exécution. Là vous voyez, euh, ça ne me renvoie pas d'erreur. Alors pourquoi il n'est pas content Duplicate modifier. Oui c'est ça, je n'ai pas fini mon code ici, c'est pour ça. OK, là ce que vous voyez que je tape, il euh, n'y a pas de problème. En fait c'est des blocs d'exécution. Ça c'est le bloc d'exécution statique, ça c'est le bloc qui va s'exécuter avant le constructeur vous pouvez écrire du code dedans avant le constructeur hop pendant le constructeur tac avant le constructeur, pendant le constructeur. Vous voyez, c'est un bout de code, et il y a celui-là encore plus qui intervient, mais dans le contexte statique, encore une fois. Bref, tout ça, ça méritera vraiment une vidéo. Euh, je vais le mettre dans la formation Java débutant, ça, je vais mettre une bonne couche dessus euh, pour bien comprendre la différence. Euh, comme ça, vous êtes à même de mieux comprendre ce qui se passe dedans. Et, euh, et du coup, voilà. Ça, c'est vraiment un long sujet, pour le coup. Alors, euh, public statique. Euh, on y va. Donc, ça va être un repas. Euh, pareil, je mets du français, c'est pas grave. Donc, on sait qu'on veut une entrée. Donc, là, globalement, ça va être un plat. Donc, plat entrée euh, ou starter. On va mettre en anglais. J'aime pas mettre du. Dès qu'il y a des accents, en fait, ça me dérange de mettre du français. Plat. Ça, c'est une classe, du coup. Plat euh, principal. Ouais. Ça marche ou pas Ouais. Plat euh, dessert. Ça se dit aussi dessert en anglais, je pense, hein, si je me trompe pas. Ouais, le statique je l'avais bien, très bien compris dans les variables et les fonctions. Ça écarte de la notion de PO, mais pour ce qui est d'une classe statique, ce n'est pas encore très clair dans mon esprit. En fait, c'est un peu la même chose. Maintenant, c'est vrai que classe statique, euh, à vrai dire, je ne saurais même pas te dire. En fait, retiens que ici. Pourquoi est-ce que ça m'a envoyé balader C'est parce qu'en fait, quand tu mets une méthode statique, elle sort un petit peu de cette PO, comme tu dis. Elle sort un petit peu du contexte de la Elle est pourtant bien là, hein. c'est du Java, ça, ça reste du Java. Là, euh, quand. C'est pour ça que si vous voulez modifier une variable ou modifier quelque chose qui n'est pas statique dans une méthode statique, justement parce que ça sort de la ça va venir un petit peu tout court-circuité. Voilà. Donc il faut vraiment... Euh... Je, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Bon, quand est-ce que je la ferai hein MDR, ça c'est la bonne question euh, mais pour le coup ça c'est vraiment un truc qui embrouille beaucoup les juniors euh, et que même parfois en vrai certaines certaines personnes avec pas mal d'expérience euh, ne comprennent pas euh, ne comprennent pas vraiment alors notre repas il a donc une entrée un plat un dessert on est d'accord et donc du coup si on re regarde re l'énoncé en rapide hop il euh, ya c'est tout très bien elle a que trois attributs, de, donc trois, trois, trois variables d'instance. Ça initialise les variables, une méthode d'affichage et une méthode qui calcule le prix total du repas et qui est la somme du prix des trois plats. Donc on veut une méthode d'affichage, une méthode, euh, du coup, très bien. La classe devra permettre de vérifier. OK. Donc on y va pour la méthode d'affichage. Là encore une fois, je ne vous fais pas l'affront. Vous connaissez maintenant Override public string to string. Hop là. Et on va mettre, euh, du coup, return. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre ici. Euh, Est-ce que. Ok, on a fait un grand toString ici. Le but, c'est de le réutiliser. Est-ce qu'on ne le changerait pas un petit peu pour mettre quelque chose de plus cool, de plus concis Quoique, non, en fait. Hein. On va les mettre à la suite. Ok, regardez. Là, je vous propose de faire. On va faire un petit string builder. Hop, ça va être euh, StringBuilder tout court. On va l'appeler, très bien. Vous allez voir, c'est cool comme classe. C'est une des classes que vous verrez forcément quand, lorsque vous manipulez un peu de un peu de des strings. StringBuilder. Là, StringBuilder. Du coup, on va faire StringBuilder.append. On va lui ajouter quelque chose. Là, on va mettre du coup. Euh, votre repas contient les plats suivants. Hop là, on va append. Hop, on met un petit anti slash n. Je sais pas, je sais plus si ça fonctionne ça. Je vais pas prendre de risque. Regardez, string builder. Hop. Point append. Euh, si, je crois que l'anti slash n fonctionne. On va voir ça tout de suite. On va le tester après. Mais normalement, il me semble que ça fonctionne. Et donc, du coup, là, on va mettre directement 10.starter.toString. On réutilise le travail qu'on a fait avant. Tac. On copie-colle. On est des feignants. Oh non, j'ai fait de la merde. Attendez. Hop. 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 10.starter, 10.principal and 10.dessert hop là, on va clairement réutiliser ce qu'on a fait avant, c'est là la beauté de la PO. donc là on est face à du polymorphisme par exemple, nous avons la classe plat qui utilise toString, qui override toString, on a la classe repas qui override toString également donc on est bien face à du polymorphisme la même forme mais pas le même comportement donc c'est le fait, polymorphisme étant un mot latin, hein, c'est pas ça c'est pas moi qui vous l'ai inventé, et donc du coup là on peut faire un petit return stringBuilder .toString tout simplement ce qui va nous renvoyer le résultat de tout ce qu'on a concaténé juste avant euh, voilà on est plutôt pas mal on va commencer à créer un repas du coup donc hop je crée un plat on va l'appeler starter principal dessert hop là on aligne tout bien c'est cool on va mettre quoi un tartare en entrée une entrecôte et un, euh, un cheesecake. Let's go. Un petit cheesecake. L'entrecôte, elle coûte ça. Le tartare, on va dire qu'il est à 12 parce qu'on est sur Paris, donc ça coûte hors de prix. Pourquoi il n'est pas content On va dire 12,5 aussi. Le cheesecake, il va être à 8,50. Hop, parfait. Et là, ça va être un dessert. Ok, ensuite on va faire un nouveau repas du coup. Repas égale new repas. Par défaut, ce que vous avez du coup, c'est que vous avez toujours bah, le constructeur par défaut, hein, ça porte son nom. Vous n'en avez mis aucun et pourtant il y en a un de disponible, donc ça c'est normal. Là, on va du coup en redéfinir un en rapide. Mais quel appétit, attention à la ligne. Ça va, ça va, t'inquiète. Je, je surveille, je surveille. Ça pousse à la salle. Je ne me rappelle plus si sur ta chaîne tu as fait des vidéos sur Spring. Alors non, pas encore, mais euh, c'est clairement ce que je vais faire. Dans quelques semaines, quelques mois, je vais pouvoir me dédier à 100% sur la chaîne. Euh, vraiment faire de la création de contenu. Euh, de la création de contenu à 100%. Euh, je vais faire euh, tout ce qui est Git, Maven, euh, SQL, MySQL. Euh, JavaSpring, une grosse playlist sur JavaSpring avec des formations à la clé et compagnie. Euh, je, vais, euh, je vais essayer de faire ça, euh, de faire ça plutôt bien. Euh, je vais surtout essayer de me dédier à ça en fait. Je vais faire ça à temps plein euh, pour faire ça d'une de, de, manière correcte. Typiquement, là, j'ai édité un truc sur le, le, la vidéo numéro 3 de la playlist Apprendre Java. J'ai parlé des classes abstraites. Et en fait, j'ai fait un raccourci hyper maladroit parce que bah à l'époque j'enchaînais travail et. Euh, j'enchaînais travail et... Euh, et euh, et YouTube. Et donc du coup, je dis qu'une classe abstraite, par exemple, c'est euh, forcément avec une méthode abstraite, avec une méthode abstraite. En fait, non. S'il y a une méthode abstraite, oui, c'est une méthode, une classe abstraite du coup. Mais la réciproque n'est pas vraie. Une classe abstraite peut être abstraite juste parce qu'on a mis abstract au début. Il n'y a pas forcément une méthode abstraite dedans. Maintenant, effectivement, on va pas utiliser euh, très couramment la, la méthode, la classe abstraite, si on n'a pas mis de méthode abstraite à l'intérieur. Et donc à vouloir tout trop vulgariser, ça m'arrive de faire des petits pépins. Bon après globalement. Hein. Merci, bon courage à toi, je vous quitte carte de dos, mais je regardais la rediff si elle sera dispo. Excellent, bonne soirée à toi, merci beaucoup euh, Forza de ta participation. Bonne soirée. Et oui, je pense qu'il y aura la rediff. On a pas mal divergé, j'ai pas mal parlé d'autres choses. Euh, ça pourrait ne pas intéresser tout le monde. Donc je, je sais pas, je, je vais voir. Au pire, je la mettrai en non répertorié et, et je te l'enverrai euh, si tu la veux. Alright, alors... Euh, Qu'est-ce qu'on devait faire là on voulait faire un petit constructeur, en rapide. Let's go. Euh, donc new, ça va être public repas. Hop, on va prendre un plat entrée, donc starter. Un plat principal et un plat dessert. Let's go. où je peux trouver des exos sur lesquels m'entraîner en Java, car à part les TP de nos écoles et nos projets perso, on ne peut pas trop s'entraîner. Oh, bah si, en vrai, t'as ce qu'il faut, Ness. Hein. Je sais que moi, j'ai quand même reçu 2-3 euh, mails qui étaient intéressants euh, sur ça, mais si tu tapes Java exercice euh, TP université, normalement, euh, t'as des trucs plutôt cool. Hein. Ouais, voilà, check. Je t'envoie ça sur le live. En vrai, t'as quand même des trucs plutôt sympas. Il hein. y a quand même de quoi faire. Ok. Alors, euh, où est-ce que j'en étais On y va du coup 10.starter égale starter. 10.principal égale starter. 10 principal. Égal principal. 10.dessert égale dessert. Ok, très bien. Alors, vérifions. Est-ce qu'on passe maintenant euh, Est-ce qu'on vérifie si tout va bien Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait un petit peu remettre en doute tout ce qu'on a là. C'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous dit faut vérifier est-ce que euh, c'est bien un plat de chaque catégorie dans le repas. Alors, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu rigide, mais qui pourrait fonctionner. On fait un petit... Là, j'ai raté. If starter.category.equals. Et donc, du coup, ça va être plat catégorie enum. Pas besoin de copier-coller des strings, comme ça, on est parfait. Entrée, tac. Si je rajoute un petit note, si ce n'est pas égal à une entrée, là, on n'est pas content. Euh, du coup, on peut throw new exception, par exemple. As simple as that. Tac. OK. Ensuite, sinon, else, on est content. Bon, là, vous comprenez bien que le else, il n'y en a pas besoin. Étant donné que si on valide le if, on throw une exception, le else, on peut le retirer. Pas besoin de se prendre la tête euh, si vous arrivez ici en fait c'est que vous n'êtes pas arrivé dans ce if donc vous pouvez partir du principe que ça c'est un if barrière et que vous n'avez pas besoin de faire des if else à rallonge pour éviter de, de toujours faire une cascade infinie dans votre code là on y va on fait pareil ici euh, ça va être principal si ce n'est pas un principal on n'est pas content parce qu'on veut mettre un plat principal à la place du principal et là pareil, si le dessert, hop là, ce n'est pas le dessert, on envoie une exception également. Comme ça, on a une sécurité et on répond bien à l'énoncé qui était on veut que euh, on vérifie bien, voilà, soit par le constructeur, soit par une méthode. Vous comprenez bien du coup qu'une méthode, c'est du code. Donc autrement dit, si je vous passe tout ça, toutes ces vérifications-là, on peut les copier-coller et les mettre dans une méthode. Maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose Je ne pense pas. Autant le mettre directement dans le constructeur, car vu que, comme c'est indiqué dans l'énoncé, dans on veut qu'un repas, ça fonctionne de cette manière, il n'y a pas d'autres ouvertures possibles. Là, on nous demande de faire ça de cette manière-là, donc n'essayez pas de répondre d'une autre manière. Vous avez une vérification à chaque fois, il n'y a pas besoin de douter, au moins là, on sait que si quelque chose n'est pas bon, euh, ça ne va pas fonctionner. On peut faire le test directement, bien sûr. Hein. Là, on a, hop là, tac, starter principal dessert. Normalement, là, tout se passe bien. Parce qu'on a bien entrée principale dessert. Très bien. On va faire un, un petit système println de repas. On va voir du coup si notre superbe méthode ici du string builder, elle va fonctionner. Donc déjà, exécutons ça. Voilà, parfait. Votre repas contient les noms suivants. Nom du plat tartare, machin. Truc parfait, truc parfait. On va essayer de s'amuser un petit peu. On va mettre à la place de l'entrée un plat principal. Et donc, normalement, je vous le mets dans le mille on est censé avoir une exception, parce que l'entrée qu'on nous donne, elle est censée euh, être, c'est censé être une entrée. On y va, attention, paf, on a bien une exception. Bon, là, l'exception, je n'ai pas fait de zèle, hein. on pourra mettre beaucoup plus d'arguments, hein. mais dans l'idée, euh, on est bon. Euh, je crois que ça, ça suffit, on peut mettre l'entrée donnée n'est pas une entrée. C'est un peu bête à écrire, mais bon. Hop Le plat donné n'est pas un plat principal. Le dessert donné, hop, on n'oublie pas, n'est pas un dessert. Hop, hop. Je, je, pas, le, là, on n'est pas sur des messages d'erreur euh, avec un QI supérieur à 150, mais bon, au moins vous avez compris l'idée. Paf, l'entrée donnée n'est pas une entrée. Parfait. Au Moins on, ça fonctionne. Ok. Euh, en dernier, qu'est-ce que ça nous demandait du coup On nous demandait également une méthode pour calculer le prix global. Donc c'est le prix total. Là, je ne vous fais pas l'affront non plus. On va faire un petit repas. Et on va faire une petite méthode. Public double get price. Donc là, attention, ce n'est pas un getter. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, je vous dirais de mettre. Euh, get price, ça passe. Normalement, c'est un getter setter qui est lié à un, à un prix ici, euh, donc devrait y avoir quelque chose qui s'appelle euh, double price pour faire un get price. Là, ce n'est pas le cas. Ça peut s'entendre de faire une méthode qui s'appelle. Euh, ça peut s'entendre de faire une méthode qui s'appelle get price. On aurait pu mettre compute price euh, pour un petit peu faire, au travers du nom de cette méthode, comprendre que ce n'est pas un getter. Là, on peut ne pas se prendre la tête un petit get price, ça le fait en vrai. Euh, si on a défini que le prix du repas, c'était l'entièreté, donc l'addition des trois plats, c'est pas déconnant, je trouve. Par contre, effectivement, là, euh, si on est en, on est en, en package protected, euh, donc c'est pas public, c'est pas privé, c'est package protected, vu qu'on n'a rien mis par défaut. On va pouvoir y accéder du coup. Si, il aurait fallu faire un get price si jamais on avait mis en privé ici qu'on avait voulu avoir accédé à, à cette valeur, on aurait fait un petit public get price, donc une méthode, un getter, pour y accéder. Euh, du coup, le get price, il va faire le taf. On va faire return 10.starter.price, plus 10 starter, pardon, 10 price, tout simplement, pas besoin de, de faire plus, plus 10. Point, euh, dessert, point price Normalement ça devrait faire le taf. Et on va tester ça. Get price. Normalement, on aura donc du coup un truc comme euh, je sais pas 40 à vue de nez. 42, 40, euh, 43 à vue de nez. Tac parfait, 43 et demi. Ok, on a répondu au truc. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez Go ajouter au string builder une dernière ligne avec le prix total. Oui, en effet. Et bah, du coup, on y est. Regarde. Excellent, ça. Vu qu'on a fait la classe. Euh, vu qu'on a fait la méthode getPrice, c'est un let's go. Hop là. StringBuilder.append. Ah, je vais y arriver. Le prix total. Et de hop, tac, hop, merci à plus. Tac, je retire cette ligne là du log pour pas mettre le prix. Paf, on a gagné. Le prix total est là. Tout ce qu'on contient est le prix total. Excellent. Dernière petite question en rapide. Je pense pas qu'on fera le prochain exercice histoire que le live il dure pas trop trop longtemps. Il dure déjà depuis euh, 1h22 quand même. Le temps passe vite. Euh, je pense que ça va être le dernier du coup. La dernière question c'était donc. On veut maintenant changer la classe des repas. Là vous voyez que c'est important. On veut changer la, la, la classe. Donc là, on va nous demander de faire de la modification et non pas de l'extension a priori. Tes tutos sont top, ce serait super de les publier. Bah merci beaucoup. Euh, les publier, à quoi tu penses quand tu dis publier Parce que pour le coup, ils sont sur YouTube. Donc euh, publier, tu veux dire faire des articles dessus. Bonne soirée Cédric. Merci d'avoir suivi le Merci d'avoir suivi le live. Je mettrai le replay. Pas de soucis, merci à vous de votre participation, c'est toujours cool. Alors, euh, on veut maintenant changer la classe des repas pour que l'entrée et le dessert soient facultatifs. Là, c'est intéressant. Le plat comprend au plus une entrée, donc au plus, faut bien le comprendre, c'est au plus, donc au maximum une entrée, mais ça veut dire zéro que c'est accepté également, mais éventuellement il n'en a aucune. Bah voilà, c'est voilà, je, je fais le mec intelligent alors que c'est écrit dans l'énoncé. Idem pour le dessert, donc soit 0, soit 1, le plat principal reste obligatoire. Donnez le code de la classe modifiée ou seulement les différences. Pour bon, ça, globalement, c'est des points gagnés facilement. Là, ce qu'on nous demande, c'est de faire 0 ou une entrée, 0 ou un dessert, mais le plat, le, mais, pardon, mais le plat principal, ça ne change pas. Tout à l'heure, tu, tu, tu disais que tu n'allais pas le référencer. Oui, le référencement, tu veux dire le, le mettre en, euh, le, le en non répertorié. Salut Pierrot, bienvenue sur le live. Euh, le fait de le laisser sur la chaîne, je veux peut-être le laisser en vrai. Je, je pense que je vais le laisser dans tous les cas. C'est juste qu'on a beaucoup divergé. Euh, mais bon, c'est le principe d'un live. Hein. C'est pas une vidéo standard qui est préparée, qui est montée et compagnie, donc euh, c'est pas si grave. Et les... on a divergé parce que vous m'avez posé des questions, donc euh, quelqu'un qui est intéressé, ça pourrait être cool. Quoi. Après, disons que sur YouTube, on aime bien souvent avoir les réponses rapidement. Du coup, si quelqu'un est en train de réviser, il n'a peut-être pas envie de se taper le premier live de 2h30 et, et le deuxième live de du coup déjà 1h22. Euh, donc euh, bon, c'est pour ça que euh, le, le format un peu long, euh, ça peut ne pas arranger tout le monde, on va dire. Quoi qu'il en soit, je, je laisserai la rediffusion, euh, pas d'inquiétude là-dessus. Alors, on veut que le starter y soit nul or equals. Euh, donc là, on est bien d'accord que si on nous passe quelque chose qui est nul, euh, bah ça ne va pas fonctionner, logiquement. Euh, si on nous passe un dessert qui est nul également, on va faire du coup dessert.catégorie nul.quelque chose. Pour rappel, ça fait une null pointer exception. Ça va mal se passer. On peut tester le truc si vous voulez, hein. regardez. Hop On met un nul ici. Donc là, nous, avant l'exécution, il est très content de ça. Hein, parce que bon, bah, on, a défini un, on a défini un constructeur qui prend trois paramètres. Ici, on en donne 3, nul étant une indication qu'on ne donne aucune valeur, donc il est content. Par contre, c'est à l'exécution que ça va mal se passer, parce que ici, si on lui donne un null, ça va faire null point quelque chose, null pointer exception. On est parti, crack, cannot read field category because dessert is null, tout simplement. D'ailleurs, ça, je ne sais pas si vous avez vu, je suis en train de faire une vidéo sur la différence entre Java 8 et Java 17, il y a quand même 10 ans d'écart. Euh, et du coup, euh, ça, c'est une amélioration qui date de Java 16, il me semble, pour les null pointer exception. À l'époque, ça vous disait juste null pointer exception à plus. Là, ça vous donne la raison. On, arrive, on essaie de lire quelque chose parce que des services nuls. Euh, ça, ça a mis quand même très très longtemps à arriver dans Java. Maintenant, c'est là, donc on est, on est plutôt content. Alors, du coup, comment on va faire euh... Pour moi, euh, le check ici, il est important parce que si on nous donne quelque chose, donc if starter not égal nul, donc si on nous a donné quelque chose et que ce n'est pas égal à une entrée, donc si on nous donne un plat mais que ce n'est pas une entrée, on veut renvoyer une exception. Ensuite, on va avoir un autre cas euh, qui va être else if Euh... Ouais non c'est ça, bah ben non ça suffit en fait On fait juste un note égal nul Si jamais euh, on nous donne quelque chose Et que c'est une entrée et que c'est pas une entrée On envoie une exception Par contre si on nous envoie un null Ou euh, qu'il n'est pas null Et que c'est du coup une entrée euh, On l'affecte, on est content Il a le droit d'être null en fait hein. Par défaut c'est null si vous ne l'instanciez pas Donc euh, ça revient au même Là, pareil, donc du coup, le principal, il est obligé d'être euh, présent. Donc, il n'a pas le droit d'être nul. Donc, là, euh, pareil, donc le dessert, on va lui mettre ça. Est-ce que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi Est-ce que je n'oublie pas un cas Il faut toujours se poser cette question-là. Le principal, il pourrait être nul. Donc, on met quand même la sécurité. Donc, dessert ici, principal ici. Vu qu'on peut nous envoyer un plat qui est nul. Ça pourrait faire une null pointer exception mais c'est derrière qu'on va le vérifier. On va faire un petit if principal égal égal si nul. Si c'est nul. Hop là. Else if Un repas doit contenir au moins un plat principal. Tac, comme ça on couvre tous les cas. Le starter peut être nul ou pas, on s'en fiche. Le dessert peut être nul ou pas, on s'en fiche. On a au moins mis la sécurité, on est content, il n'y aura pas de null pointer exception. Le plat principal n'a pas le droit d'être nul, c'est ce qui est indiqué du coup dans l'examen. Le, dans hein. Idem pour le dessert et pour l'entrée, mais le plat principal reste obligatoire. Donc si on nous donne quelque chose qui est nul, on n'est pas content, on l'indique. Si on nous donne quelque chose qui n'est pas nul, mais qui n'est pas un plat principal, on n'est pas content non plus, donc on l'indique. Et sinon, si on arrive ici, c'est que tout va bien. Donc, euh, au final, on a gagné. Euh, normalement, ça devrait fonctionner plutôt bien là. Desserre, je le passe ici. Hop, tac, ça fonctionne très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir modifier également On va devoir faire gaffe à euh, tous ces trucs-là ici. On a des null pointer exception qui peuvent, qui peuvent tourner. Ce que je vous propose du coup, c'est d'utiliser les ternaires. 10. Starter éga note égale nulle. Hop, on va faire 10.starter.price. points starter. Price. Sinon, on, euh, on ne met rien. Tac. Ensuite. Pourquoi il n'est pas content 10 points starter not égale null. Si c'est le cas, 10.starter.price. starter. Price. Sinon, c'est un truc qu'il est pas content parce que pourquoi ne serait-il pas content je vais essayer de commenter ça ah bah oui non mais oui je suis trop bête non non mais qu'est ce que je fais là get price mais oui oui, oui attendez c'est pas du tout on est dans get price on n'est pas dans le tout string donc là on renvoie bah, ça va être zéro ah là là, on discute. Ensuite, hop. Ensuite, tac. On refait la même chose avec le principal. Tac, tac. Et on refait la même chose avec le dessert. Hop. Et hop. Excellent. Tac, j'aligne un petit peu. Le côté maniaque, on connaît. Hop là. Parfait. Alors. Qu'est-ce qu'on a fait ici du coup Ce qu'on a fait ici, c'est que on, euh, notre starter est potentiellement nul. Donc on vérifie est-ce qu'il est nul. S'il si n'est pas nul, on renvoie son prix. Sinon, on renvoie 0. Parce que quelque chose de nul, il coûte 0. On n'a rien choisi, donc ça nous coûte 0. C'est normal. Le prix principal, par défaut, je lui mets note égale nul alors qu'on a vu qu'il ne pouvait pas être nul. Maintenant, ça ne nous coûte rien d'essayer euh, cette condition-là, comme ça, au moins, si jamais un jour ça arrive pour on ne sait quelle raison, on est sécurisé. Et donc, ça renvoie 0 si jamais le principal est annulé. Le dessert, pareil, c'est la même logique. On utilise l'éternaire. Pour ceux qui ne sauraient pas, le ternaire, du coup, c'est if then else. Donc, if c'est vrai, du coup, ce truc-là, on fait ça. Sinon, on fait ça. C'est un if else sur une seule ligne. Voilà, voilà. Ok. Euh, du coup, là, on est bon. Là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon. Là, il faut faire pareil, il faudrait mettre des notes nulles et compagnie. Donc, on va le faire en rapide. Ça va être string. Hop. Un peu répétitif, mais bon. Ça fera le taf. principal dessert tac, et normalement on est bon paf, ça fonctionne on fait les petits tests, rapidement on met un nul ici normalement ça va nous retirer 12.5 donc on va tomber à 31 tac, on a bien 31, on a bien que de plats là on met un nul, on retire 8.5 donc on tombe à 23.5 si je dis pas de bêtises, 22.5 peut-être tac, 22.5, on est bon on met pas de principal, on met un nul, il est pas content parce que normalement il y a au moins un truc. Pas content, le repas doit contenir au moins un plat principal. Là, on remet une entrée et un dessert. Pas content non plus, ça doit contenir au moins un plat principal. Et si on remet le plat principal, il est content. Écoutez, ça me semble pas mal. Salut Aurélien, ouais, il y aura la rediff, je la laisse. On a pas mal divergé, le live a duré quand même pas mal de pas mal longtemps. Euh, donc, euh, ouais, je vous mets la rediff si vous voulez le checker. Je mettrai, euh, je mettrai en avance x2 pour mettre les, les, euh, les chapitres, pour éviter justement les moments où je raconte ma vie, euh, où je mettrai du moins l'intitulé de, de ce dont on raconte. Mais ouais, pas d'inquiétude, ça va être ça va être, euh, mis la rediffusion. Ok, bah écoutez, on est plutôt pas mal là. Donner le code modifié, donc voilà, le code, on l'a modifié ensemble. Euh, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on est en live. Tout fonctionne nickel, euh, donc on est plutôt pas mal. Est-ce que c'est ce qui est attendu par un professeur Je pense. Euh, voilà, on a trois plats, on a un constructeur, on a tout ce qu'il veut. Euh, si jamais euh, une entrée ou pas d'entrée, forcément un plat principal, un dessert ou pas un dessert. Il ya peut-être moyen de faire un peu plus simple, on n'a pas d'exception. Bon, voilà, je pense que euh, je pense qu'en trois heures de temps pour faire ça, c'est quand même relativement accessible. Euh, surtout vous êtes devant votre copie, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc euh, vous n'avez pas besoin de raconter ma vie comme moi je le fais, raconter votre vie comme moi je le fais en live pour être pédagogique. Euh, donc normalement je pense que ça prend vraiment pas, pas beaucoup de temps. En vrai je pense qu'en 15 minutes c'est fait quoi, largement. Hein. Euh, 15 minutes sur 3 heures c'est pas grand chose et ça vous fait quand même beaucoup de points. Hein. 5 points, euh, on va dire 5 minutes pour la première, 5 minutes pour la deuxième, 10 minutes pour la deuxième, vu qu'il faut modifier pas mal de choses, ne pas se tromper, prendre en compte, bien relire. Ça fait un petit 20 minutes pour 5 points, on est plutôt pas mal. Ok YouTube, Best Mentor Open Classroom. Best Mentor, Best Mentor. Euh, ouais, je, toujours pas, euh, je me suis désinscrit pour l'instant euh, jusqu'en septembre, vu que euh, je pourrais euh, être beaucoup plus, euh, beaucoup plus dédié à la chaîne. On verra si en septembre je me réinscris, mais ouais, pour l'instant je suis un petit peu en pending sur la partie Open Classroom. C'est quel niveau ces exos euh, Ces exos, c'est pour les initiations au, au développement en PO. Euh, Ce n'est pas des exos hyper compliqués. Il y en avait un dernier que j'aurais voulu vous faire, mais euh, qu'on ne fera pas pour ne pas que le live dure 20 ans. C'était un exercice vraiment d'algorithmie, là, pour le coup, à base de tableaux. Euh, Demandez à l'utilisateur trois chiffres entre 0 et 9. Demandez à l'utilisateur un entier. Construire un tableau, euh, donc 3K, par rapport à l'entier qu'on vous a demandé. Ajouter i et compagnie. Ça, c'est des exos un peu marrants. À la fin, il y a de l'affichage. Euh, on pourra faire un petit live en rapide, si ça vous intéresse, hein, sans rediffusion, sans rien. Mais euh, voilà. On pourra faire un live avec des exemples un peu plus compliqués, ouais, carrément. Je me rends pas compte, j'avoue que en ayant fait un DUT informatique, une licence 3 informatique et un master en informatique, je n'ai pas vu d'exercice qui était vraiment hyper compliqué. Euh, à chaque fois, c'est des exercices quand même relativement abordables, relativement simples. Euh, si vous en avez en tête, si vous en avez vu des très compliqués, je veux bien les voir pour qu'on les fasse ensemble. Mais euh, globalement, les exercices, j'ai toujours l'impression qu'ils sont quand même relativement simples et que, en fait, si vous comprenez bien l'énoncé, c'est relativement simple à faire quoi. Il vous demande pas la lune, il vous demande pas d'inventer des choses trop trop compliquées. Euh, donc euh, voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi le live. Merci Mo, c'est très cool, très cool comme message. Euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Euh, si vous avez des questions euh, après le, le n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Hein, du coup, ça fait aussi du référencement. Hein, on connaît YouTube. Euh, n'hésitez pas à partager le live hein, si vous a plu à liker, à vous abonner. Euh, je, je, je suis en train de préparer du coup deux vidéos en ce moment. Je suis en train de terminer les vidéos sur les euh, le apprendre Java, sur la généricité, les fichiers, sur les énumérations du coup dont on, dont on vient de parler et compagnie. Euh, ça met un peu plus de temps que prévu parce que bon j'ai le travail à côté. Euh, et la vidéo qui m'intéresse vraiment, j'en ai deux en liste que je vais vous faire. C'est donc la différence entre Java 8 et Java 16. Et Java 17, pardon, il euh, y a vraiment pas mal de petites différences à prendre en compte et compagnie. Et puis, on a en droit de se poser la question tout le monde est en Java 8, euh, on en est à Java 17, il y a 10 ans d'écart, mais quelle est la différence bah, Du coup, ça va être un condensé des plus gros changements, je trouve, euh, du langage de la version 8 à la version 17. Et il euh, y a un autre truc qui est quand même très intéressant c'est la sécurité dans le langage Java. On parle souvent de sécurité, les getter sectors, en quoi est-ce que c'est sécurisé, pourquoi est-ce que le string pool, ce, qu ce dont on parlait tout à l'heure, est pourquoi est-ce que c'est sécurisé. Euh, donc, du coup, voilà, euh, ça vaut le coup de faire une vidéo sur la sécurité dans le langage Java, euh, parce que c'est extrêmement abstrait lorsqu'on s'en rend pas compte, mais dès qu'on vous donne quelques clés en main, euh, ça devient tout de suite beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, révélateur. Merci à tous d'avoir suivi ce live, euh, on se retrouve à la prochaine, euh, merci d'avoir suivi ça, et euh, du coup, bah écoutez, bonne soirée, et merci aux, à ceux qui ont l'habitude d'être là, hein, Mo, Ness et compagnie, merci beaucoup. Salut à tous, bonne soirée.